présenté une nouvelle nacelle 12 mètres sur les JLD. Pouvez-vous nous la décrire? Oui, donc vous avez derrière moi une nouvelle nacelle qui s'appelle la 340AJ, qui est une 12 mètres articulée diesel. C'est un trou dans notre gamme jusqu'à maintenant, donc qui vient d'être comblé avec le lancement de cette nouvelle machine. Donc c'est une machine principalement destinée aux loueurs et chez les clients finaux, un petit peu chez les charpentiers métalliques, mais vraiment le cœur de cible, ce sont les loueurs qui louent beaucoup de 16 mètres articulés diesel, mais qui ont besoin, pour des applications où un petit peu plus de compacité est requise, ont besoin d'une machine voilà, de dimensions plus réduites. Donc voilà la 340AJ qui est proposée ici avec un moteur Kubota 3 cylindres. C'est une 4x4 avec essieu oscillant et qui est proposée en option ici avec des pneus non marquants, puisque ces petites machines peuvent parfois travailler à l'intérieur ou travailler sur des sols où on doit faire attention et ne pas marquer. L'option aussi qu'on a mis sur ce modèle, c'est ce qu'on appelle chez nous le Clear Sky, qui est un système de géolocalisation et de diagnostic à distance. C'est-à-dire que vous avez une puce GSM et GPS qui vous permet donc de savoir où est la machine et, en cas de problème, pouvoir diagnostiquer à distance d'une part, et d'autre part effectuer des réparations à distance. D'accord. Vous introduisez un nouveau modèle de nacelle araignée. Quelles sont vos ambitions sur ce créneau? Alors effectivement, nous avons sur le stand aussi la X23J, qui est une nacelle araignée de 23 mètres. Notre ambition, c'est d'apporter des nouvelles machines à nos clients. Vous savez que GLG étant le leader mondial de la nacelle, on se doit d'apporter la gamme la plus importante possible à nos clients. Ça permet de pérenniser la relation avec ce client. Bon, notre cible principale, ça va être la location, mais également par notre réseau industriel, le client final. Mais voilà, de par notre cœur de clientèle, on va dire traditionnelle, ce sont quand même les loueurs qui vont être notre cible première.